Vocal les gars, vocal les gars, vocal les gars! Est-ce que j'assume vraiment mon prénom? Si j'assume vraiment mon prénom, comment est-ce que je le prononce? Bienvenue les rois et les reines, c'est Dominique, votre coach vocal depuis 2000 et quelques, depuis 1900 et quelques même. Et qui va vous accompagner dans quelque chose d'important qui est comment vous prononcez votre prénom. La manière dont vous prononcez votre prénom est extrêmement importante parce que ça vous accompagne dans quelle est ma vraie voix ou bien est-ce que je me cache? Est-ce que les gens vous font répéter 4 fois quand on vous dit « Et toi, tu t'appelles comment ?»« Dominique. » »« C'est comment ?»« Dominique. » Bon, si vous n'avez pas envie de vous appeler Dominique, eh bien, vous pouvez toujours changer de prénom, si c'est si difficile que ça. Et il y a aussi le fait que si vous dites « Dominique » et que vous, ça vous fait mal à la gorge parce que vous faites « Deux !» Vous criez un peu. Il y a un petit problème avec vous-même. Donc, je vous encourage à chanter avec douceur votre prénom, à chercher les voyelles qui vous font plaisir, à y aller comme si c'était vous qui vous baptisiez à l'instant. Si vous appelez Paul, une syllabe, ok? Vous appelez Clara. Deux syllabes. Clara, Clara, Clara. Prénom à trois syllabes. J'en trouve pas. Ben, le mien, Dominique. Jean-Joséphat. Jean-Joséphat, Jean-Joséphat. Ok. Simplement, prenez votre prénom et chantez-le sur cet air-là. Et
descend plus vite. On aime son prénom. À vous affirmer, à aimer la vibration que vous balancez dans l'univers à chaque instant. Et la prochaine fois qu'on vous demandera « Et toi, comment tu t'appelles ?», vous prononcerez votre prénom avec amour et on ne vous fera pas répéter. Si cette vidéo vous a plu, merci beaucoup de me laisser un petit commentaire. Et puis aussi, vous pouvez mettre dans les commentaires les thèmes que vous avez envie que je traite dans les prochaines vidéos. Ça me fera toujours plaisir. Vos pouces, j'aime. Sont une nourriture pour la chaîne. Vous savez très bien que YouTube fait des propositions grâce à l'alimentation de la chaîne. Donc, à chaque fois que vous avez vu la vidéo, poussez, cliquez j'aime, envoyez la vidéo à un ami, laissez-moi un commentaire et surtout, devenez un meilleur artiste. Aimez-vous et distribuez de l'amour. À bientôt les rois et les reines.